C'est quoi un bon système d'évaluation? Vous avez 4 heures. Le premier truc pour répondre à cette question, c'est de déterminer les critères sur lesquels on va se baser. Et je vais vous proposer 6 critères basés sur les travaux de chercheurs sur cette question. Salut tout le monde! Pour nous faciliter la tâche, on va prendre comme exemple l'évaluation classique basée sur la restitution d'un cours. Cours magistral avec les notes et tout, vous connaissez. Déjà pour un système d'évaluation, on peut se poser la question, est-ce qu'on se trompe pas dans le type d'information à recueillir? Donc on veut évaluer les bons objets, les bonnes compétences. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est le critère de la pertinence. Franchement, le système tradi, s'il faut recracher son cours pour avoir une bonne note puis l'oublier juste après, c'est pas très pertinent, je veux dire, on voudrait plutôt que l'évaluation s'intéresse à des trucs utiles pour la vie réelle. Donc, nope. Ensuite, on se demande, est-ce que mon évaluation va faire réussir ce qui devrait réussir d'après nos attentes? Donc, est-ce qu'on se focalise sur l'évaluation des points importants ou est-ce qu'on évalue finalement du détail? Ce critère, c'est la validité. Ouais, admettons que pour le système tradi, une évaluation peut viser les points importants, ce qu'on veut vraiment que les élèves apprennent. Ok, maintenant, est-ce que les données recueillies seraient les mêmes dans un autre contexte? Par exemple, avec un autre prof ou en étant plus ou moins fatigué, est-ce qu'on aboutirait aux mêmes conclusions? Et ce critère, c'est la fiabilité. Bof bof, comme on l'a vu dans la première vidéo de la série, ça dépend de la matière, mais si on a mis en place un barème et d'autres trucs, ça peut passer. Donc ni oui ni non. Pour illustrer ces trois critères, voilà une analogie entre abattre une cible en mouvement et faire un bon système d'évaluation. Un cerf peut être en mouvement, une cible fixe non. Le cerf illustre donc la pertinence du système d'évaluation, la cible sa non-pertinence. Quatre possibilités ensuite. Comme on cherche à abattre la cible, la validité pour le cerf c'est viser la tête. Go for the eyes, boo. Go for the eyes. Si les tirs sont concentrés au même endroit, alors c'est fiable, parce que ça veut dire que d'un tir à l'autre, il y a une certaine constance. Comme si peu importait les conditions de l'évaluation, on tombait toujours avec des résultats similaires. Et si c'est dispersé autour de la tête, ça n'est pas fiable, parce qu'il y a trop d'écart d'une fois à l'autre. Si on vise les jambes, c'est pas valide, parce qu'on va blesser mais pas abattre la cible. Après, si c'est concentré, c'est fiable. Dans les jambes et tirs dispersés, c'est ni valide ni fiable. De la même façon, avec la cible, ce sera pas pertinent, mais concentré au centre de la cible, ce sera quand même valide et fiable. Dispersé autour du centre, valide et non fiable, et dans un coin, ce sera non valide. Et fiable si concentré, ou pas si dispersé. Non mais sérieusement, on va avoir tous les vegans du monde entier sur le dos avec cette analogie. Attends, les chercheurs, ils ont pas un comité éthique? C'est clair, abattre une cible en mouvement, mais pauvre cerf quoi. Ils auraient pu mettre le petit Kevin à la place au moins, il est tellement relou lui. Les enfants, faites pas ça ni à l'école, ni à la maison. Par contre, vous pouvez jouer au cerf-volant. Bref, revenons. On a trois critères pour un bon système d'évaluation. La pertinence, la validité et la fiabilité. Et l'éthique, Osef? Ok. Ok, pas d'éthique, moi j'insiste pas. Mais le système idéal doit aussi aider à prendre des décisions. Et il doit permettre d'estimer les forces et les faiblesses des élèves en vue de faciliter leurs apprentissages. C'est le critère de l'efficacité. Si on reprend l'exemple de l'évaluation traditionnelle, ça marche pas. Je veux dire, ça donne pas forcément des infos utiles sur ce qu'il faut faire pour que l'élève s'améliore. Autre point, faut que ce soit facile de construire l'évaluation et de la mettre en place, qu'on soit expérimenté ou pas. C'est le critère de réalisme. Bah là, l'expérience le montre, le système tradi est clairement réaliste. Je veux dire, il est mis en place à grande échelle. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Et enfin, le système d'évaluation doit permettre d'informer les différentes personnes concernées. Donc les parents, les élèves, le personnel éducatif. Et c'est le critère de visibilité. C'est clair que l'évaluation classique est visible. Je veux dire, les notes, tout le monde en demande, c'est au cœur de la communication parent-prof. Alors, faut-il noter les élèves? Ça nous donne une table de mixage avec 6 éléments. Et idéalement, on veut ça. Sauf qu'en pratique, on a plutôt ça. Ou ça. Et si on essaye de remonter ce curseur, ça peut décaler les autres. Maintenant qu'on a nos différents critères, voyons un peu différents systèmes. Si on prend notre exemple basé sur la restitution de savoir sous tradition, ça donnerait ça. Pas pertinent, plutôt valide, moyennement fiable, pas efficace, mais très réaliste et visible. Avec un système basé sur des objectifs spécifiques, ça devient un peu plus efficace, mais par exemple, ça dit pas comment valoriser des trucs comme la coopération ou l'autonomie. Ensuite, l'évaluation selon les capacités transversales. En gros, ce sont des évaluations basées sur des observations de classe, des portfolios ou un ensemble de situations complexes. C'est pas mal utilisé dans des pays scandinaves, mais assez peu adapté par chez nous. Le gros problème, c'est le manque de réalisme, parce que c'est compliqué à mettre en place et à évaluer. Il y a un côté subjectif qui peut faire perdre en crédibilité auprès des parents notamment. Si on arrivait à améliorer la visibilité, ça pourrait faciliter aussi le réalisme. Il y a bien sûr d'autres systèmes d'évaluation. Ce sont là des exemples qu'on connaît un peu.
Maintenant, c'est à vous de jouer avec la table de mixage. Mais finalement, on a construit une évaluation des systèmes d'évaluation. C'est pas la classe. Et si vous êtes élève, vous irez voir vos profs avec ces critères, puis vous leur demanderez de se situer. Puis s'ils vous virent de cours, vous m'écrivez. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Leur envoyer un tweet comme quoi c'est pas très Charlie? Ouais, je vais leur envoyer une photo de bébé pop triste, comme ça ils sauront pas quoi répondre. Bim! C'est la pire fin de tous les temps. Allez, moi je vous dis à bientôt.